minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have... Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu Stellaris. Épisode qui sera placé un petit peu sous le signe de la baston, en tout cas de la préparation à la baston. Je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, on allait commencer à créer des petits trucs bien sympas au niveau des vaisseaux spatiaux et commencer peut-être à aller tataner des adversaires qui nous font un peu chier dans nos frontières. On se rappelle, il y a quand même quelques adversaires, des cristaux bizarres là, ils se trimballent dans des systèmes qui pourraient être vraiment très intéressants, voire même qui se trimballent carrément dans nos frontières. Et du coup, ça m'énerve un peu de ne pas pouvoir les déloger, et on va s'en occuper dans cet épisode. Allez, on est parti. Alors, nous revoilà en jeu, où est-ce que j'en étais? Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas rejoué, étant donné que j'étais en plein partiel, ce qui est jamais très cool. Oui, donc, alors, il y avait des adversaires dans des petits cristaux là, des Space... Un Moeba. Ils avaient une puissance assez importante. Nous, on a une puissance de flotte actuellement de 256 pour 10 vaisseaux. 256 plus 65, on doit être à peu près 300 pour 10 vaisseaux. Donc il nous faut... Hop, je vais relâcher un peu le temps. Il nous faut plus de vaisseaux, c'est clair et net. Donc on va passer sur le spatioport. On va faire des destroyers. Des trucs pour aller destroy ou détruire. Ça va être bien sympathique. Le destroyer, c'est quand même vachement puissant. On va essayer de pas mal l'utiliser. Alors, j'aimerais bien réorganiser un petit peu les vaisseaux. Mais non, ok. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ensuite? Parce que eux, ils sont... Ah, attendez. Zut. Empire. Empire, empire, empire. Non, c'est pas faction. Faction, c'est pour les factions internes. Empire, les discussions d'Empire, c'est où? Contact, c'est en contact. La jury de République, ils sont pas du tout sympas avec nous. Les Impérial du Caveau Dominions, donc ceux qui sont... Ah, ils ont une légère tension frontalière avec nous. Et ils ont beaucoup plus de puissance par rapport à nous. Donc on fera gaffe, on a un pacte défensif avec la Confédération Skildarienne, donc ici, donc là, c'est plutôt bien. De toute façon, eux, ils vont avoir du mal à s'étendre plus loin, tout simplement parce qu'ils sont un peu pris en sandwich, et s'ils se mettent ailleurs, ils seront pas en bonne position. Tiens, d'ailleurs, je vais virer les primitifs, histoire qu'on y voit un peu mieux. Voilà, et puis Yanou, forcément. Yanou. Par contre, on n'est pas hyper bon au niveau de notre défense. Notre défense nationale. Hop. On va faire quelques destroyers. Donc là, on en a un qui arrive. Ah oui, ça fait bien bobo, hein, tout ça. Ça a l'air de faire bien bobo. Alors, Salax Prime est fini. Si je me souviens bien, on avait installé... rien du tout. Ah oui, d'accord. Amélioration du bâtiment nécessite au moins 10 pop. Ok. Il va nous falloir... Quoi? On a un signal d'une nouvelle civilisation. Alors, les Provalgus Sorvergen Worlds, ce sont des fungus, c'est des type champignons dégueulasses, voilà, type herpès. Donc, ils sont fanatiquement militaristes, ok, donc c'est des militaires, ils aiment la guerre, on veut la guerre. Et ils sont xénophobes, ah le combo, le bon combo, militaire, xénophobe. Tout ce que j'aime, tout ce qui fait le bonheur dans la société. Ok, bah, coopération mutuelle, ok. Ils sont où d'ailleurs, tiens? Ils sont où les armes? Ah, d'accord, ok. Ouais, bah, ils sont pas là. Rivalité. D'accord. Mais ils ont l'air d'être quand même un peu plus mastoc que nous, hein, donc on fera gaffe. Ah, vaisseau scientifique a terminé, faudrait peut-être que j'en lance plusieurs. Et oh.
Je vais essayer d'en lancer plusieurs. Non. C'est mage. C'est mage ou c'est contrôle ou est-ce qu'on peut... Ah, c'est mage. Je vais lancer plusieurs, comme ça on sera tranquille. Donc, ils sont dans le genre pas sympa, en face. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais continuer à faire quelques destroyers. Je vais essayer d'abord de vous montrer un petit peu... Non, pas technologie. Concepteur de vaisseau. Là, ça va être cool. Alors, on va pouvoir concevoir des nouveaux vaisseaux un petit peu plus mastoc, un petit peu plus drôle. Ça va être quand même vachement sympa. On va faire un nouveau modèle de corvette. Commençons par ça. Donc, nous avons débloqué plusieurs technologies. Je vais mettre en pause un peu derrière quand même. Nous avons débloqué plusieurs technologies au fur et à mesure de nos recherches. Hein, de temps en temps, j'utilisais des recherches qui permettaient de débloquer un élément de technologie qui peut être utilisé dans ce concepteur de vaisseau. Donc nous allons utiliser la propulsion par distorsion classique parce qu'on n'a pas débloqué autre chose. L'ordinateur de combat basique, parce qu'on l'a en basique. Le propulseur ionique, on a le propulseur en fait de niveau 2 parce qu'avant on était au propulseur chimique. Maintenant on est au propulseur ionique. Et nous utilisons le capteur gravitationnel embarqué qui augmente la portée du capteur, ce qui est plutôt pratique. Alors ensuite, il va falloir donner une section. Donc là on n'en a qu'une, donc on va mettre un type intercepteur. Et alors là on va pouvoir mettre plusieurs trucs. On peut mettre plusieurs éléments sur les cases de type S, hein, S qui veut dire small, M pour medium et L pour large, donc la taille de l'élément, sachant qu'on ne peut pas forcément mettre tous les éléments sur une tuile. Par exemple, les siphons énergétiques se mettent que sur des tuiles S, et ceux-là se mettent sur toutes les tuiles possibles. Alors un siphon énergétique, ça fait quoi déjà? Faut regarder dessus. Plus 100% de dégâts sur les boucliers. Ah ouais, d'accord, donc comme il y a les boucliers, un petit peu comme dans tout truc de SF, hein, ça peut être vraiment pas mal, sachant qu'on va leur... On va y mettre des canons électromagnétiques, donc ce sont en fait nos trucs de base sur les attaques, hein, sachant que on va avoir... Les corvettes seront vachement fortes pour les dégâts contre les boucliers, parce que là on voit plus 33, et là plus 100%, bim, ça va faire vraiment mal. Certes, le siphon énergétique fait pas aussi mal... Dégâts de 3 à 11. Je regarde un petit peu. Par contre, il est plus précis. Il a une portée un peu moindre. 1,59 par tic. Mais le truc, c'est quand même des gros dégâts au niveau des boucliers. Ça peut être pas mal. Ensuite, maintenant, on a nos stats de vaisseau. Les stats de vaisseau, en fait, elles indiquent un petit peu où on est. Où s'en sont les stats du vaisseau. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'alimentation est à moins 35, c'est-à-dire que notre vaisseau ne pourra pas fonctionner si je ne mets pas des réacteurs en plus pour assurer l'alimentation. Par exemple, des réacteurs à fission qui permettent à chaque fois de rajouter plus 10. Ce qui m'embête un peu parce que du coup... Non. Parce que du coup, c'est pas... Non, eh oh. Voilà, c'est bon. Plus 5, c'est mieux. Il faut toujours être en positif, en fait. Faut toujours être en positif, c'est la base de la base. Parce que sinon, en fait, le modèle ne peut pas fonctionner. Hein. C'est comme si vous essayiez de faire tourner une voiture avec moins d'énergie qu'il n'en faut. Ce qui est un peu emmerdant. Donc, les réacteurs à fission sont bons. On est OK. Donc, on aura 300 points de coque parce que je crois que j'ai pas autre chose de possible. Ouais, c'est ça. J'ai que les réacteurs à fission de possible. On va pas en mettre plus. Tout simplement parce que c'est inutile de mettre plus d'énergie qu'il n'en faut. On n'a rien qui en consomme de plus. Bon, on est limité. Donc on va pouvoir en faire cette nouvelle version de corvette. Il faut lui donner un nom. Donnons-lui un petit nom. Corvette, la première s'appelle Isarik. On va l'appeler... Ah, d'habitude j'ai des super noms, mais alors... On va essayer de taper du côté de la mythologie grecque. On va l'appeler des corvettes Hera. Pourquoi pas. Bim, voilà. Donc on a nos corvettes Hera qui sont normalement un peu plus puissantes. Pas du tout. Les miennes coûtent plus cher et elles sont moins puissantes. Bizarre. C'est bizarre tout ça. C'est à cause de ça, à cause du siphon énergétique. On va le virer, vous savez quoi. Hop, c'est pas grave. C'est mieux. C'est mieux, voilà. On a gagné un peu de dégâts parce que c'était moins bien. C'est tout pourri même.
et on a une vitesse de combat un peu supérieure, ce qui est plutôt cool, ainsi qu'un évitement supérieur. Ok, on est bien. Bon, on va faire la même pour notre Destroyer. Alors le Destroyer possède deux sections possibles, une batterie de proue ou une artillerie de proue, ainsi qu'une batterie de poupe seulement. La batterie de poupe, on l'a forcément. Et donc il faut choisir soit l'artillerie de proue, soit la batterie de proue. On va, je pense, prendre l'artillerie, la batterie de proue, parce qu'elle a quand même beaucoup plus d'espace de disponible. Ouais, c'est ça, elle a quand même beaucoup plus d'espace de disponible. Et comme j'ai pas beaucoup d'éléments qui nécessitent... Enfin, j'ai aucun élément qui peut fit... qui n'a besoin de fit que sur une plus petite surface, on va dire ça comme ça. Mettre juste une batterie de type L, ça aurait été un peu nul. Donc là, on met la blinde. Voilà, donc 15-49, c'est bien. Et en dessous, on va mettre les réacteurs. Et bim! Voilà, donc de toute façon, on peut pas aller plus loin. J'ai pas encore énormément d'éléments, mais c'est quand même pas mal, je pense. Et on va l'appeler modèle Prométhée. Voilà, mythologie grecque. Maintenant qu'on a fait ça, on va attendre que la Starfleet se regroupe. La première Starfleet se regroupe. Ah, je suis au maximum des comment ça s'appelle, de stockage des influences. C'est pas très grave. On va attendre que la Starfleet se regroupe. Je vais accélérer un petit peu la vitesse. Allez, ils sont où? Ah, une recherche a été finie. Alors, nombre de personnalités de vampire. Dôme du paradis. Et le biolaboratoire qui permet de fournir des recherches type sociétal. Dôme du paradis qui est une recherche rare. Il produit un bonheur et une habitabilité plus importante. Pas forcément ce qui est le plus intéressant maintenant. On va lancer ça, c'est pas très... J'avais pas des super choix là pour le coup. J'étais pas très inspiré. Alors on va attendre que la Starfleet se rejoigne et ensuite je vais pouvoir faire un upgrade. Parce qu'on peut, en fait on peut upgrade directement les vaisseaux. Quand il y a une nouvelle version qui est disponible, en fait on peut les envoyer comme étant le... Attendez, on va peut-être le faire revenir parce qu'il faut les renvoyer au spatioport dans tous les cas. On va les... Hop. On va tout fusionner une fois que ça sera bon. Alors. Ça a fini d'être recherché. Je vais diminuer un peu la vitesse, que j'ai plus trop de choses à faire. Je vais mettre en pause. Ok. Alors. On va aller dans ce système là, tout simplement parce qu'il faut que je fusionne les... Ok, voilà, c'est bon. Je les fusionne. Accélérons un peu la vitesse, que ça se fasse. Là, ils sont un peu lents. Allez, fusionnez tous. Ça va faire 130 plus 386, ça va faire 500. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Donc là, il va falloir faire l'upgrade. L'amélioration, comme ils disent dans la zone. Wesh. Hop, améliorer la flotte, donc ça va me coûter 270. Bim. Et on va regarder un petit peu nos vaisseaux là. Oh, c'est tellement beau. Et ça rame un peu. J'ai changé d'outil pour capturer la webcam et donc du coup le PC rame un peu plus. Il faut que j'en change de PC, il faut que j'en change. Après 3 ans de bons et loyaux services, il commence un petit peu à galérer. Et on va refaire des destroyers de classe Prométhée. Et donc là, ils vont s'upgrade. Ça va prendre quelques temps. Ils sont en train de s'améliorer. Et là, ça va passer à un peu plus de puissance. Allez. Améliore-toi. Normalement, c'est rapide. Non.
Pourquoi est-ce si lent? C'est bon, ça y est. Non? System survey complete. Ah mais non, l'amélioration de la First Arsuit, ça se fait après, c'est vrai. Bon bah du coup, on va attendre un petit peu le temps que ça se fasse. Bon, voilà, la première Starfleet a été améliorée, maintenant on est à 205, sachant qu'on n'est même pas encore au maximum, du coup, on va attendre encore un petit peu, le temps de récupérer 2, 3, voilà, un petit peu de minéraux, le temps de faire les deux derniers vaisseaux qui nous manquent, pour atteindre le maximum, qui sera de 23, et ensuite on ira faire la guerre, ou en tout cas au moins se débarrasser des petites merdouilles qui traînent chez nous, parce que c'est pas cool. Donc on va avoir une flotte à environ 800. Environ 800, ce qui est pas mal, parce que du coup ici, il y avait une flotte à environ 700. On va les déchirer. Ça va être drôle. Voilà, on attend rapidement la corvette. Qu'elle se ramène. Oh, c'est tellement en train de s'étendre cet empire. Heureusement qu'il est bien bloqué entre nous qui sommes protégés par un pacte. Et eux là-bas, je suppose qu'ils doivent pas trop s'aimer. Allez, on va envoyer la Starfleet ici. Allez, c'est parti. On va les envoyer. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc, ça y est, ils vont engager le combat. Ça va être un petit peu dangereux. Je vais regarder ce que ça va donner. Allez, engagement des flottes. C'est parti. Donc, c'est des amibes de l'espace. Donc on a légèrement plus de points de vie. Oula. Donc on voit en fait la liste des vaisseaux ici, de chaque côté. Et le tout c'est de détruire les leurs avant, avant que nous on détruise les... Et donc je trouve ça vachement bien foutu. Attendez, on va essayer de tout virer. Des amibes de l'espace. Putain, ils sont costauds, hein. Il reste plus que les amibes, les grosses amibes, mais par contre, c'est vrai qu'elles sont vraiment costaudes. Bon, voilà, j'en ai éliminé une. Reste la dernière. Elle va se faire pourrir. Allez, vous êtes à 25 contre 3 là, contre 1. Bim! J'ai perdu deux corvettes. Bon, c'est pas très très grave, parce que ça peut se refaire facilement. Et en face, ils ont pris très cher. Parce que je suis violent. D'abord. Donc, c'est cool, on va pouvoir lancer la réparation. Je vais dire d'aller réparer un petit peu toutes ces merdes. On va voir... Je vais demander... Hop, un vaisseau... scientifique, le bon. Merde, ils sont au même endroit. Je vais demander à un vaisseau scientifique de ramener sa fraise ici pour explorer le système, bien sûr. Je vais demander aussi à la recréation de nouvelles corvettes de type ERA. Parce qu'on va en avoir besoin, parce que nous, on va s'attaquer à ça maintenant. Et ça, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a un peu plus de ces merdouilles. C'est pas sûr aussi que ça passe, hein, parce que même si on est à 800 de dégâts, eux en face ils sont à 800, ils sont à 1200. Certes, ils sont pas tous ensemble, mais ça risque d'être assez compliqué. On va bien voir, parce que là on les a quand même complètement pourris, peut-être que ça passera, si ça se trouve ça se passera pas, mais c'est pas très très grave. Élection pour le nouveau chancelier. Merde, j'avais complètement oublié cette histoire. Est-ce que j'avais pas un truc à faire? Non, 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 j'avais pas de truc à faire, donc j'avais dû le faire, la promesse de l'ancien mandataire. Du coup, ça va. Je pense qu'on est bon. Donc, accélérons un petit peu tout ça. Je vais ensuite aller m'attaquer une fois que les deux Starfleet seront... Enfin, la Starfleet aura été remise correctement et que... Quoi? Nous avons des pop inactives. Hey. J'ai de la pop inactive. Hop, voilà, c'est bon. Une fois que nous aurons fait le ménage ici, on pourra installer un nouveau
Merde, comment ça s'appelle? Une nouvelle colonie, voilà. Alors, les Starfleet, elles sont bien. Il faut que je la répare. Ok, donc là, il y a quelque chose de primitif sur un des systèmes là-bas. Il y a quand même pas mal de planètes ici. J'aimerais bien pouvoir m'en occuper un petit peu. Alors, journal de bord. Journal d'Uber. Programme minier. Station minière construite. Bon, il va falloir construire une station minière. Ça tombe bien, parce que si j'arrive à installer une colonie ici, il y aura plein de trucs miniers à faire autour. Ah, plein de recherches. Capacité de stockage d'énergie, âge central de niveau 3, c'est cool. Réacteur à fusion. Hey, le réacteur à fusion de niveau 2, ça pourrait être pas mal. Hein. Et sentinelle de défense rapprochée, contre-mesure destinée aux attaques des missiles et appareils de combat montés sur les coques qui sont essentiels aux vaisseaux les plus imposants et plus lents. Ah, ça peut être pas mal ça. Bon, à commencer par les réacteurs à fusion, comme ça, ça évitera d'en mettre 5000. Former une fédération. Permet de former une fédération avec d'autres empires. Ah, et c'est cool, ça. Ça permet de débloquer de nouveaux outils politiques et rendre de tout un petit peu plus cool. Un petit peu plus complexe. Administration galactique. Complexe capitale de l'empire. Permet les régimes politiques avancés. Waouh, ça, c'est encore compliqué aussi. Et influence mensuelle, sachant que j'ai quand même encore un avant-poste. Du coup, j'ai une génération mensuelle un peu moindre. Complexe capital, en même temps, ça prend 20 plombes. J'en ai pour combien de temps? 90 mois. Mais plus ça va me coûter cher, en fait. Parce qu'on regarde la base, elle est à 14 000, et j'ai deux planètes, ça me fait plus 10%, 21 pop, plus 11%. On va peut-être lancer ça avant que ça devienne trop compliqué. Ok. Alors, ce vaisseau scientifique-là, est-ce que tu peux pas aller ailleurs? Oh la vache, il y a pas mal de choses dans certains... Dans certains systèmes, il y a quand même beaucoup, beaucoup de trucs intéressants. Faudra pas les oublier. J'ai aussi pas mal de minéraux. Alors. Et 100%. Et on va les envoyer ici. Je vais aussi passer un petit peu de temps sur cette planète-là, histoire de regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait être pas mal. Notamment, je suis à combien au niveau de la bouffe? Une. Ah oui, donc... On va faire une ferme hydrophonique. Et là, on va faire... Je regarde un petit peu ce que je peux faire, en fait. Un réseau minier. Là, on va faire... Un labo scientifique basique. Là, on va faire... Un réseau minier. Non. Une ferme hydrophonique. Faire une centrale. Voilà, je pense qu'avec ça, on est plutôt bien parti. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est au moins, j'aurai plus à m'en occuper. Où est-ce qu'ils en sont, ma flotte? Ils vont mettre un peu de temps à arriver. Donc ça y est, la bastion va s'enclencher. On y est prêt. Tutu. Alors. Alors, c'est pas les mêmes. Merde, j'ai oublié de leur mettre un commandant. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est quoi ces trucs? C'est moi ou je suis en train de vraiment galérer là? Oh, ça a l'air d'aller en fait. J'ai peut-être lancé la construction d'ores et déjà de nouveaux trucs. Ah! Civilisation alien. Alors attendez, on va lancer la construction de destroyer classe Prométhée. Je peux en laisser plus. Une corvette. Ouais, ouais, on se fait bien bourriner la gueule quand même. Hein. Ouais, on s'est fait pouiller. On s'est fait gentiment souiller la figure. C'était le raclage en fait. Il y avait quelqu'un qui faisait comme ça contre notre visage. Il fait frouch, frouch. Casse-toi, tu pues. On s'est fait gentiment souiller.
Ouais, j'étais peut-être un peu présomptueux. Et encore, j'ai pas pris les 1200, hein. J'en ai pris que qu'une partie. Bon, ok. Ok, bon, bah voilà. C'était un petit peu un fail. Un joli petit fail. Mais en fait, on les a quand même bien... On a quand même bien tapé, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on arrive, sachant qu'eux, ils se régénèrent pas, je crois, et ben la prochaine fois qu'on arrive, on les dérouille. Ça, c'est clair et net. Je pense que la prochaine fois qu'on arrive à 800, là, ils sont plus qu'à 200 d'énergie, qu'à 200, 300, là. 133, 255, ouais, c'est ça. J'arrive, le 133, 255, il se fait souiller. Surtout que je vais, je pense, installer un nouveau spatioport ici, ça va me coûter encore la blinde, mais bon, ça devrait aller derrière. Je construis un nouveau spatioport ici, ça va augmenter mon nombre de flottes maximale. Et je pourrais faire encore plus de vaisseaux pour tout défoncer. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... Accélérer un peu le temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle planète ici de disponible? Je crois pas, hein. Sinon ça l'aurait marqué. Du coup... Oui, mon... Où est-ce que j'ai un vaisseau de construction? Toi, tu pourrais pas aller construire un avant-poste station minière, voilà. Donc, on s'est fait bien pourrir la gueule, mais il faut impérativement que je me débarrasse de ces adversaires dans ce système-là, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Je regarde un petit peu l'heure qu'il est. Ah ouais, on arrive déjà à une demi-heure d'enregistrement pour moi. Je pense qu'on va bientôt arrêter. Je vais lancer. Alors attendez, j'ai une incoming transmission. Proposition de pacte non-agression. Donc c'est les fanatiques militaristes champignonesques qui... Champignonesques, non, mais même pas, on dirait de... La religion creepypasta avec le spaghetti... pas la creepypasta. Si, c'est creepypasta. La parodie de religion là avec un spaghetti... À la place de Dieu. Là, de spaghetti avec des boules. On dirait un peu ça. Ok, bon, bah, le pack de non-agression, je suis plutôt d'accord. C'est pas un problème. Je veux bien. Je veux bien, je veux bien. Et une nouvelle technologie. Nanana, chantier d'assemblage de destroyer. Capacité. Blindage nanocomposite, on pourrait en avoir besoin aussi. Faire des items, c'est peut-être pas mal. Enfin voilà, j'espère que cet épisode placé sous le signe de la baston vous aura plu. Hein. Bon, on aura réussi une bataille comme on en aura fait une autre. Bon, ça arrive. Ça arrive, hein. De toute façon, toutes les batailles ne sont pas faites pour être gagnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là cet épisode. Pour le prochain, je ferai une grosse armée pour ensuite défoncer les derniers résistants dans ce système. On les défoncera en début de prochain épisode. Et ensuite, je verrai ce que je pourrais vous montrer de plus pour ce cinquième et dernier épisode de ce petit let's play découverte sur le jeu Stellaris. En tout cas, j'espère que cet épisode est... Je vais un petit peu remettre voilà, une partie vitesse normale. J'espère que cet épisode, avec une meilleure qualité vidéo normalement, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce let's play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.